Nous, on va parler du classico PSG Marseille. On va laisser tout ce qui est extra-sportif. On parle uniquement du sportif. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de ce classico, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors, ce classico, le PSG va acquérir Marseille. Et moi, je pense que c'est un match qui est déjà quasiment joué en avance. Certes, c'est un classico. Mais vu le problème actuel de Marseille, je ne pense pas que ça va aider Marseille. Je ne pense vraiment pas que ces problèmes extra-sportifs vont aider Marseille. Et en plus, ils vont jouer au parc. Ils vont jouer au parc. Ça sera très compliqué pour eux. Très, très compliqué. Donc, moi, je vois un PSG qui va vraiment s'amuser parce que Marseille n'est pas bien. Mentalement, ils ne sont pas bien. Et lorsqu'on sait que le football part d'abord du mental, lorsque tu n'es pas bien mentalement au foot, ça sera très compliqué pour toi. Donc, ce Marseille m'inquiète. Je ne le vois pas aller faire un résultat au Parc des Princes. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Marseille peut rebondir face au PSG parce que c'est le classico? Parce que vous savez que le classico, c'est un match à part. Ça peut peut-être susciter un orgueil, ça peut le rebooster, mais j'ai des doutes. Je vois quand même une victoire du PSG face à Marseille. Donne-moi ton avis et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.